Au milieu des années 70, Olivier Bonnaute, fraîchement diplômé de l'école de commerce, faisait ses premiers pas à la Banque Bonnaute. Il se souvient. La Banque Bonnaute, en 1975, à mon arrivée, était située à la rue Purie, à 100 mètres du lieu actuel de la banque maintenant. Je dirais, ce qui m'a surpris le plus en arrivant, c'était peut-être une question d'aménagement, de mobilier, d'équipement technique. J'avais découvert à l'école de commerce, peu d'années avant mon engagement, les premières machines à calculer, les premières machines Hewlett-Packard. Et lorsque je suis entré à la banque, ça n'existait pas, ça ne s'utilisait pas. Et je me souviens d'avoir épaté mon prédécesseur en calculant l'intérêt couru sur les obligations de façon plus rapide que lui. Il est vrai que la banque, jusqu'en 1991-1992, n'avait pas d'ordinateur. Nous n'avions pas d'informatique. C'est Jean Berthoud qui, à son arrivée, qui a introduit l'informatique à la Banque Bonnaute. Et les changements ont été, effectivement, pour certains, assez rude. Moi-même, personnellement, j'avais quasiment pas de notion d'informatique. Et je me rappelle qu'un jour, on m'a mis un écran, un clavier, une souris devant moi et j'ai dû me lancer. Banque Bonnaute, banquier depuis 1815.